Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un petit retour de course. Donc, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de retour de course. Ça va faire des semaines, peut-être plus. Donc, là, j'ai décidé de vous filmer ce petit retour de course. Je vais y arriver. Parce que ces deux semaines-là, en fait, je n'étais pas ici, je n'étais pas là. J'étais en vacances et donc j'ai pas fait de vidéo du tout. Donc aujourd'hui j'ai pris juste quelques petites courses, en fait les petites choses qu'il me fallait. Et donc je vous montre ce que j'ai pris. Alors tout d'abord je vais vous montrer, attendez parce que j'ai plusieurs tickets. La première chose que j'ai pris, en fait j'ai trouvé à moins 50%, c'est pour Pâques. Et c'est un petit panier comme ceci, donc j'aime beaucoup. Et donc ça me servira pour l'année prochaine, en fait, pour la déco de Pâques. Parce que là, je l'ai trouvé à moins 50. Donc c'était 9,95 moins 50. Et franchement, je le trouve assez joli. Donc c'est en blanc, c'est assez joli. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Une petite déco. Voilà, comme ceci. Donc là, c'était à 15,95 moins 50. Et je trouve ça très joli. Il y a un peu de déco de un peu de tout, quoi. Donc voilà, et ce sont des choses en bois. Ce que j'aime bien, en fait, c'est du bois. Et ici, j'ai trouvé un petit panier en forme de lapin, enfin tête lapin, donc comme ceci. Et ça, c'était 19,90 moins 50. Donc je trouvais assez joli. Et les petites suspensions, en fait, on peut les accrocher ici et avoir une jolie, en fait, déco de Pâques. Donc ça, j'ai pris pour l'année prochaine, voilà, parce que sinon l'année prochaine, c'est à plein prix et là, j'ai pris à moitié prix, donc c'est très bien. Ensuite, chez Demer, j'ai pris un sachet de fruits de 1,4 kg, parce que ça, non, oui, 1,4 kg pour 6 francs, voilà. J'ai pris des fraises, j'ai pris deux baquettes de fraises. Donc 1,99 la baquette. J'ai pris du jambon pour faire des croque-monsieur pour ce soir. Voilà, du jambon de dinde comme ceci, 1,95 l'unité. Parce que pour ce soir, je prévois de faire du jambon. Des croque-monsieur. Voilà, moi je ne mangerai pas. Je mange du poisson aujourd'hui, mais j'en ferai pour les autres. Et donc pour moi, je ferai un peu de riz avec une petite sardine. Voilà, donc, voilà. J'ai pris les deux paquets de du fromage à toast. Voilà. J'ai pris une petite salade à moins 50. J'ai trouvé ça à moins 50. Je crois que c'était... attendez, je ne sais pas si j'ai ici l'étiquette. Je crois que c'est dans ma poche. Ouais. Dans ma veste. Donc là, je crois que c'était 2,75 moins 50. J'ai pris un paquet de mouchoirs comme ceci, 85 centimes. Pour ma titi, j'ai pris des petits sachets comme ceci. Elle les mange, celle-là. Donc c'est du canard et du poulet. Voilà, comme ceci. C'est la marque Winston et ça, elle aime bien. Donc c'est les seuls. Non, c'est pas la marque. C'est la marque Rossmann et de la gamme Winston. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est la marque de chez Denner. Voilà, donc c'est les seuls, en fait, sachets qu'elle mange. Sinon, j'ai tout essayé et à chaque fois, je jette. Donc là, je les trouve à l'unité. Je crois que ça doit être dans les 80 centimes à l'unité. Et franchement, je suis contente qu'elle les mange. Et chez Denner, j'ai pris... Ah bah voilà. Alors, chez Denner. Qu'est-ce que j'ai pris cosmétique? Non, attendez. C'était 85 centimes les mouchoirs. Et qu'est-ce que je voulais voir? Je sais pas. Ah oui, la salade. La salade, elle était à moins 50. Je vois pas. Bref. Non, je ne vois pas. Donc, c'est pas grave.
Donc, mais je crois que c'était 2,75, moins 50. Donc, pour 3,75, j'ai pris un cervella comme ceci. En fait, c'est de la saucisse de lion à la volaille. Et après, j'ai pris de la sauce bolognaise. Ce que je prévois de faire, soit des pâtes, soit des boulettes. Je sais pas, je verrai. Mais j'aurai besoin de la sauce bolognaise. Donc ensuite, chez Migros, j'ai pris un balai pour les toilettes. Parce que le mien, il a rendu l'âme. Et voilà. Et ça, c'est les couleurs en fait qui conviennent, qui se marient bien avec ce que j'ai dans la salle de bain. Ensuite, j'ai pris de la 12600 pour le linge. Voilà, j'en ai pris deux. C'était encore à moins 50% en fait à partir de deux. Donc pour 6,95, j'ai eu les deux. Voilà. J'ai eu les deux bidons pour 6,95. Et franchement, c'est excellent. C'est le meilleur en fait que j'ai testé jusque-là. Et c'est le seul en fait qui est équivalent à la marque Soupine. Voilà. C'est la marque Excedia. Donc de chez Migros, voilà, et franchement j'adore. En ce moment je suis en train d'utiliser l'orange, donc à la pêche, et franchement il est très très bien. Mais celui-ci je l'ai déjà testé. Le blanc je l'ai pas encore testé, j'en ai encore un que j'ai acheté la dernière fois, mais je trouvais en fait que pour 6,95 les deux, c'était vraiment vraiment pas cher parce qu'ils sont à 9,90 unités. Et donc voilà, c'est tout pour ce retour de course d'aujourd'hui. Donc c'était vraiment un petit retour de course. J'ai pris les choses qu'il me fallait. Les fruits que j'en ai pas. J'ai encore pris ce matin, j'ai oublié, des bananes et des pommes de terre. Ah oui, là je rajoute encore 6 francs. Donc là il va me rester 30 balles pour terminer la semaine. Donc voilà, il me reste 30 balles et je pense que ça va être faisable parce qu'on est mercredi et donc c'est assez en fait pour terminer la semaine. J'aurais besoin de faire je vais essayer de dénicher un panier to go fruits et légumes parce que j'ai pas beaucoup de fruits et légumes, donc j'ai plus de salade, donc j'ai que la salade que j'ai achetée. Et après, j'ai des concombres acides en bocal, mais voilà, on n'est pas trop fan en fait. On n'a pas envie de manger tout le temps ça. On préfère la salade. Et donc, j'ai des bananes et j'ai des fraises que j'ai achetées. Mais c'est tout ce que j'ai, donc voilà. Je pense qu'avec un panier to go, ça va suffire pour passer la semaine, pour terminer la semaine. Là, je vais essayer de respecter mon budget mensuel, donc je reste à 400 par semaine par mois, donc 100 par semaine, et donc je pense que c'est suffisant. Après je vais pas compter en fait, quand je dis 400 par mois, c'est les 400 uniquement pour la bouffe, donc ça compte pas en fait tout ce que je vais acheter en vêtements en fait, et en meubles, parce que là j'ai besoin de meubles, j'ai besoin de m'acheter une petite table et avec des chaises dans la cuisine et une petite table pardon dans le salon, j'allais dire dans la salle de bain bien sûr, dans le salon, et voilà, donc ça je compte pas, mais donc je reste à 400 par mois pour la nourriture uniquement. Voilà, je disais que je vais, là il est 17h41, je vais essayer de voir si je peux dénicher là un panier pour demain, un panier fruits et légumes. Je vais pas prendre le panier mixte parce que j'ai un peu de tout. Là après j'ai pris du jambon pour faire les croque-monsieur et j'ai assez de choses dans le frigo aussi et dans le congélateur qu'il faut que je vide. Donc pour la semaine prochaine je pense que je vais faire je vais vous poster en fait une vidéo des courses, mais je vais faire les grosses courses parce que là je vais avoir beaucoup plus de choses, besoin de choses pour la semaine prochaine. J'ai des invités, donc voilà,
Je vous montrerai en fait. Je pense que je vais faire mes courses samedi. Et je pense que je vais faire en fait aussi dans le mardi, parce que c'est le mardi que ça commence les promos ici. Donc c'est du mardi à lundi. Donc voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une partie samedi et une partie mardi. Donc comme ça, parce que j'ai les invités qui arrivent jeudi. Donc j'aurai pas le temps en fait de faire des courses après. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ferai pas de courses. Voilà. Enfin, je prends des petites choses en fait qui s'il me faut, mais voilà, je ne prévois pas de faire des petites courses pendant que j'ai des invités. Voilà, sur ça, et bah, c'est tout. Voilà. Et donc, j'ai décidé de regrouper les vidéos et de faire une seule vidéo parce que j'ai trouvé en fait que c'est mieux de faire cette vidéo pour la semaine. En une seule vidéo, donc voilà, je vous montre ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc là, je vous ai filmé mercredi et je vous filme aujourd'hui, donc samedi. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc là, j'étais chez Lidl et chez Micro et Denner. Donc je vous montre tout ça. Tout d'abord, chez Lidl, j'ai pris un gâteau marbré comme ceci. Donc ça, c'était 3 et quelques. Et ça fait très longtemps que j'ai pas acheté des gâteaux comme ça. Je l'ai fait moi-même d'habitude, mais bon, là, je n'ai pas envie de le faire moi-même. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris du café, j'ai pris plaisir. Je crois que j'ai pris deux de chaque, je verrai. Donc, j'ai pris un macchiato espresso. Voilà, comme ceci. J'en ai pris deux. Là, j'ai pris latte macchiato. J'en ai pris deux aussi et j'ai pris cappuccino macchiato, donc j'en ai pris deux. Normalement, j'ai deux de chaque. Voilà, j'ai pris des yaourts, des liégeois au chocolat et là, j'en ai pris sept. Voilà. Alors, attendez, je vous montre. Donc, les bleus, j'en ai pris quatre. Alors, attendez. Les bleus, j'en ai pris quatre. Les expresso, j'en ai pris deux, voilà, et c'est tout, je pense que c'est tout. Donc les liégeois, j'en ai pris sept, comme ceci, donc je les aime bien en fait, ceux-là de chez Lidl. Je trouve que c'est un goût différent de ceux de chez Migros et de chez Denner. Voilà, j'ai pris de la mascarpone parce que je prévois de faire un gâteau pour demain, donc j'ai pris deux mascarpone. Alors j'ai plus de place. J'ai pris des grains, des mélanges de grains comme ceci, donc c'est un mix classique, un mix de fruits secs classique. J'en ai pris deux. J'ai pris deux boîtes de petits pois, carottes. Donc ça, je n'ai pas pris depuis longtemps des boîtes. Je prends toujours du surgelé. Mais là, cette fois-ci, en fait, j'ai pris deux boîtes. C'était 1,79 la boîte. Voilà. J'ai pris du poivron. Voilà, comme ceci, du poivron rouge. Parce que j'en ai plus. Alors, attendez, parce que j'ai du beaucoup ici. Tout va tomber par terre. J'ai pris du poivron, donc du poivron en bocal. J'en ai pris trois bocals comme ceci. Ça, on aime bien. Donc voilà, j'en ai pris trois. Je ne vais pas les sortir à chaque fois. J'ai pris un paquet de saucisses de cervella comme ceci. Voilà. J'ai pris de la betterave rouge. Voilà, en bocal. Également, j'ai plus de place pour les mettre. J'ai pris deux jus d'orange comme ceci. C'est du jus d'orange frais. Voilà. Et la dernière chose que j'ai pris chez Lidl, ce sont des après-shampoings. Donc j'ai pris le violet pour le volume et celui-ci pour réparer les cheveux. Parce que j'ai les cheveux un peu abîmés. Désolée pour le bruit. Donc je mets un peu partout parce que j'ai pas de place. Et
Là, je vous montre ce que j'ai pris chez Denner. Hier, chez Migro, j'ai pris que ça. J'ai pris que des bananes. Donc, j'ai pris pour 2,10 francs 1,3 kg de bananes. Et c'est toujours 1,50 le kilo. Donc, voilà, je les prends toujours chez Migro parce que je trouve qu'elles sont meilleures. J'ai pris chez Denner des fraises. Donc, je les ai trouvées assez en bon état. Hein. Donc, voilà. Et c'était 1,99 le paquet. Franchement, elles sont très belles. Et ça sent trop bon. Donc, on espère qu'elles sont un bon goût. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé à moins 25% des poires. Et j'en ai pris une qui est pourrie. Ah bah, bravo. Donc, j'en ai trouvé une qui est pourrie. Bref, j'ai pas regardé. Et donc, voilà. J'ai pris ça. J'aime bien les poires. Mais là, j'ai pas regardé. Donc, il faut que je les... Il faut que je retire celle qui est pourrie, hein, parce que sinon les autres elles vont pourrir aussi. J'ai pris des œufs colorés comme ceci, tout prêt. Donc j'en ai pris, c'est un paquet de 10 et je ne sais pas combien c'était, je ne sais pas du tout. J'ai pris des raisins et j'ai pris deux paquets de raisins. Donc un comme ceci, donc le rouge sans pépin. C'est du raisin bleu sans pépin. Voilà. Et là, j'ai pris du raisin. Alors, du raisin blanc comme ceci. J'ai pris ça. C'était 2 et quelques le paquet. Je ne sais pas combien il était. C'était exactement. Et là, j'ai pris. Donc, j'ai pris 1, 2, 3. J'ai pris 3 énergies, boissons énergisantes comme ceci. J'ai pris un coca. Un coca zéro et non, j'ai pris un coca normal. Donc c'était 1 franc le coca. Et là j'ai pris pour faire mon tisseau pour demain. J'ai pris des fruits surgelés comme ceci. Donc là j'ai pris un mélange de... des fruits, hein, donc j'ai un peu de tout, donc j'aime bien faire avec ces fruits là. Donc là je vais les mettre au congélateur parce que ça commence à décongeler. Donc ça je vais faire tout de suite là, je vais faire un cheesecake, donc pour demain, voilà. Donc voilà, je vous ai montré tout pour cette semaine, donc vous avez la vidéo en premier, vous avez la vidéo de mercredi que je vous ai filmée. Et là, par la suite, vous avez celle d'aujourd'hui, de samedi. Donc là, je me suis armée un peu. Donc, j'ai rempli un peu mes stocks parce que je n'étais pas là. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris des fleurs. J'ai pris des œillets. Donc ici, on les emballe comme ceci. Hein. J'ai pris des œillets parce que maman, elle voulait prendre des œillets. Voilà. Parce que la dernière fois, j'ai pris des roses. Désolée pour le prix. J'ai pris des roses la première fois et ça ne tenait même pas en fait 2 jours. Donc là, on a pris des œillets pour voir. Ça, j'ai pris chez Migros. Donc ça, je vais voir si ça tient ou pas. Mais ils sont assez jolis. Donc il y en a qui ne mettent pas des œillets dans la maison. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà. Tout ce que j'aime bien, j'achète. Enfin, voilà. Donc là, c'est bien. Pour ça, donc j'aurai au moins, ça va me tenir une semaine ces fleurs là, donc parce qu'elles ça dure longtemps. Et voilà. Là hier je me suis acheté un meuble, on est en train de le monter, donc dans la cuisine. Je vous ferai un tour de la cuisine complète quand j'aurai terminé, parce que là j'ai tout est en bazar, j'ai retiré tout ce qui était dans l'ancien meuble ici. Et j'ai tout mis sur la cuisine un peu partout, donc c'est éparpillé un peu partout. Voilà, donc là je vais, je vous ferai un tour quand ce sera, un tour de la cuisine quand ce sera prêt. Donc j'ai acheté ma table, j'ai acheté mes chaises et voilà, et mon armoire qui va aller là. Enfin c'est vraiment une petite commande, enfin une petite non, parce que c'est un meuble haut et... voilà, je vous montrerai, mais j'ai trouvé en fait que c'était assez joli. Voilà, et j'ai acheté aussi ma table basse, parce que je l'ai changée. Parce que j'ai envie de changer ma table basse, parce que j'ai une table basse qui est en verre.
elle est toute rayée et j'avais vraiment envie de la changer. Donc j'ai acheté aussi la table basse. Donc voilà. Là pour cette semaine, c'est bon. Donc pour la semaine prochaine, comme j'ai des invités, je vous ferai peut-être un petit retour de course mardi ou mercredi. Je ne sais pas parce que mes invités arrivent jeudi. Donc j'ai ma soeur qui vient me rendre visite, donc je suis très contente de la voir. Et voilà, donc je ne vous ferai pas de retour de course, mais je pense que cette semaine je vous ferai un gros retour de course, comme ça j'aurai pour 2 semaines. Voilà, parce que là on est le 22 et donc je pense que ça me fera en fait, enfin les 2 semaines après, ou sinon je vous ferai une petite retour de course et je ferai encore une la semaine d'après, je verrai comment je procéderai, mais voilà, donc je suis sûre que pour cette semaine en fait tout est là. Et j'ai acheté aussi du pain à la coop, ça je vous ai pas rentré. J'ai pris un grand pain, donc ça nous fera en fait pour ce soir et pour demain et pour lundi matin pour les sandwichs de mon mari. Donc voilà. Sur ce, je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez des petits pouces bleus pour m'encourager et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.